votre escarpe en écoutant chanter les gens de mon pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe qu'il a composée toute une symphonie. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents. L'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens des pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre des trésors de richesse infinie. Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. On dirait que la main dans ce pays de neige. Elle a fait face au vent qui souffle de partout. Pour imposer ses mots jusque dans les collèges. Et qu'on y parle encore la langue de chez nous. La langue de chez nous, chère à Félix Leclerc. On pense à Félix Leclerc, au Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. Ce clip, avec tous ses enfants, qui est magnifique, a été réalisé par le fils de Félix Leclerc. Ça, c'est la cerise sur ce magnifique gâteau. Déjà, toute l'émotion de cette séquence. Mais alors, ce clip, savoir qu'il a été réalisé par Francis, qui est devenu un grand cinéaste au Québec, c'est extrêmement émouvant. Il est très beau. Et magnifique. Très, très beau. Et c'est à l'initiative de Diane Lemieux, qui était à l'époque ministre de la Culture, qui a voulu fêter les 25 ans de la langue française. Merci à Joël Narcy, notre spécialiste. Et tous ces moments-là. Les documents rares d'avoir retrouvé ça. Les moments les plus forts de ma carrière, c'était peut-être avec cette chanson. Médaille d'argent de l'Académie française, décernée par les académiciens sous la coupole. Oscar de la meilleure chanson française de la SACEM. Et surtout, au Canada, médaille d'or de l'Ordre des francophones d'Amérique. Ça, je sais que cette récompense, tu en es fier. Alors, c'est une... C'est une histoire d'amour le Québec. Les plus belles récompenses sont celles qu'on n'a pas demandées, qu'on ne porte pas, mais qu'on n'a pas refusées non plus. Et c'est vrai que ces distinctions ont chacune leur histoire et elles me touchent tout autant les unes que les autres. Et sur les images qu'on a vues, c'était extraordinaire, les émotions que j'ai vécues. Le plus québécois des Français, j'ai lu ça souvent dans la presse de Montréal. C'est une histoire d'amour, le Québec et toi. Oui, c'est Mia Dumont qui avait eu l'idée de ce surnom, le plus québécois des chanteurs français. Et on ne s'est plus quitté depuis avec Mia. Elle a été la personne qui m'a présenté au public québécois et qui l'a fait avec tellement de délicatesse que c'est devenu une véritable histoire d'amour avec le Québec, c'est vrai. Mia Dumont qui nous regarde peut-être chez elle à Montréal et que j'embrasse, qui est une bien belle personne, qui est une des femmes les plus brillantes de ce beau pays qu'est le Québec, qui est très proche de René Angélil, de Céline Dion. Et quand je pense à Mia Dumont, je pense à Eddie Marnay aussi. À Eddie Marnay, voilà, je l'ai connue à cette époque-là, Mia, et je l'embrasse tendrement. Puisqu'on parle de Mia Dumont, elle a recueilli des textes qui illustrent un livre de Gilles Vigneault qui s'appelle « L'apprenti sage », l'apprentissage, avec des dessins magnifiques et des textes remarquables. Et si je présente ce livre, c'est qu'on va parler maintenant de Gilles Vigneault. Oui. Car Gilles Vigneault, c'est quelqu'un qui compte pour toi, comme Félix Leclerc, comme Charlebois. Je dirais, Félix, c'est le père, Gilles, c'est le maître. C'est comme un professeur, c'est quelqu'un qui écrit, qui a une plume légère, qui est un conteur. Et quand il chante, il a le pas léger du danseur de gigue, et il fait pareil avec ses mots. Il a écrit des chansons qui sont dans l'histoire du Québec, qui marquent les étapes de la vie des Québécois, les anniversaires, les fêtes, les combats. Et Gilles, c'est quelqu'un pour qui j'ai une tendresse particulière parce qu'il a bercé mes débuts d'auteur de chansons. Et il fait partie des trois, avec Félix et Charlebois, qui m'ont fait découvrir le visage du Québec sur ce fameux disque de la Francofête où il chantait « Quand les hommes vivront... » À la Chandaou. Ils étaient 200 ou 300 000 personnes sur le plaine d'Abraham. Elle s'en souvient, Monique. Quand les hommes vivront en amour, ça... Chanson de Raymond Lévesque. De Raymond Lévesque, absolument. Qui est un hymne extraordinaire qui a, pour moi, révélé l'existence d'un pays. J'ai jamais considéré les Québécois comme des cousins, mais comme des Américains qui parlent français. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'ils défendent notre langue, bec et ongle, depuis tant d'années, alors qu'ils sont à 45 minutes
de la frontière américaine et du géant anglophone qu'est l'Amérique. Je pense qu'ils sont d'autant plus près des États-Unis pour sentir le danger que nous, on ne perçoit qu'à moitié. Et c'est pour ça que j'avais écrit cette chanson, La langue de chez nous, en pensant à eux, parce qu'ils m'ont vraiment donné le virus. Ils m'ont aidé à prendre conscience que le français, c'était pas seulement une langue, c'était aussi un trésor, c'était aussi un patrimoine, un outil, et qu'on était tous un peu responsables, nous, les usagers de cette langue française, pour la faire resplendir, la mettre dans un écrin. C'est ce que Gilles a fait pendant toute sa vie, et encore aujourd'hui, et on le voit dans l'apprentissage. C'est un recueil extraordinaire, parce que c'est un philosophe, Gilles. Alors, il vient à l'Olympia pour une soirée exceptionnelle le 26 octobre, et je crois qu'il aura 81 ans le mois prochain. Alors, moi, il y a une chanson qui me fait toujours sourire, qu'il chantait souvent quand il venait sur le plateau du Grand Échiquier de Jacques Chancel, c'est « I went to the market ». Oui. De Gilles Vigneault et Gaston Ronchon. Le titre est anglais, mais écoutez bien, les paroles de la chanson sont en deux langues, français et anglais. Gilles Vigneault. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. She said, what have you got dans ce beau petit panier là? She said, what have you got dans ce beau petit panier là? I have got some eggs, non, achèteriez-vous pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I take 2 dozen, puis le bonhomme te perd ça. I take 2 dozen, puis le bonhomme te perd ça. I gave her 2 dozen, puis le bonhomme, il payait pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. Vigneault, Gilles Vigneault. Tu vas régulièrement chanter au Québec. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que le plus grand souvenir professionnel de ma vie, c'est d'avoir chanté La langue de chez nous à Québec devant le public là-bas, après avoir rencontré Félix. Et quand j'ai chanté cette chanson à Félix, d'abord chez lui, on a vécu un moment incroyable où Félix s'est mis à pleurer, où il a dit il ferait qu'il y ait un pont sur cette chanson vers la France. Et c'est là que j'ai rajouté l'île d'Orléans dans la chanson. Oui. Mais le soir, quand j'ai chanté La langue de chez nous dans la salle à Québec, il y a eu un moment extraordinaire, un moment où, après la chanson, il y a eu un silence, comme on en vit rarement dans ce métier. Et puis, tout d'un coup, les gens se sont levés, ils ont applaudi. Et moi, j'étais tellement frappé par cet instant que j'ai été repoussé en arrière par l'onde de choc que j'ai reçue du public. Et ça, c'est les gens qui étaient dans les coulisses qui m'ont raconté, t'as fait comme ça, ils m'ont dit, t'as fait comme ça, t'es parti en arrière, t'es revenu. Et après, ils se sont mis à chanter une chanson de Gilles. Mon chéri, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon chéri, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et à ce moment-là, il s'est scellé quelque chose entre nous qui ne s'est plus jamais défait. C'est un moment que je garde précieusement comme un souvenir inoubliable. Alors, dans les archives, on a retrouvé des duos assez surprenants. Il y en a un qui m'amuse beaucoup, mais je vais y revenir. On te voit chanter L'Orage avec Brassens, Pierre Perret, Lily, avec Lily Bridgewater pour les enfants du monde entier. Et puis, il y a un duo donc, qui m'avait échappé avec Jeanne Moreau. Car tu as chanté la chanson d'un film, musique de Philippe Sarde, L'Adolescente. Qu'elle participait également Simone Signoret. Et Francis Huster. Et Francis Huster. On va retrouver tous ces duos. Dis où est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il dans une ville ou dans une île qu'on a perdue? Il est dans le berceau des destins. À la croisée des chemins, sous les rameaux de jasmin, dans la chaleur de l'été. Caché dans le creux des mains, tout près de la vérité. Dis, c'est quoi l'amour?